Hey, c'est les luminaires, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne Seb Bricole, présente sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui, petit chantier peinture, tu vois, et je vais te présenter la peinture que je vais utiliser, c'est-à-dire, je te montre. Voilà, je vais utiliser la peinture de chez Action. Donc c'est la Home Vision Wall Paint White en mat. Tu vois, c'est un pot de 10 litres. Alors ils te disent qu'avec 10 litres, tu peux faire entre 70 et 80 mètres carrés. Voilà, donc c'est une peinture, comme tu peux voir, qui est A+. Je te laisse regarder. Donc là, pour le coup, tu vois, joli pot. Donc on va tester ça. On va voir ensemble si ça fait le job. Donc pour info, le pot là, 12 euros. Donc 12 euros, il est hors de sang privé, donc on va voir comment ça va se passer. Alors, pour utiliser la peinture de chez Action, voilà, je vais utiliser ce rouleau. Bien entendu, ce rouleau-là, c'est pas un rouleau low cost, c'est le modèle Rota, tu vois, c'est Ciré qui fait ça avec le manchon pareil, un manchon de chez Ciré, le Rota Lotex. Alors bien entendu, je te mets des liens dans la description, comme ça tu pourras aller voir les produits que j'ai utilisés, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Allez, on continue, jobs. La consistance de la peinture de chez Action, les amis, allez, c'est parti. Ok, donc après avoir mélangé la peinture, on se rend compte qu'elle est quand même assez pâteuse. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau à l'intérieur, je l'ai touillée pour la rendre, tu vois, un peu plus fluide. Après, je trouve que la couleur, elle n'est pas totalement blanche. Elle tire un petit peu sur la crème. On va voir après en séchant comment ça va se passer. Mais là, pour le coup, tu n'as pas l'impression que c'est vraiment très très blanc. Bon, on va voir. Voilà, comme tu peux voir, tu vois, les murs, ils sont quand même bien mieux. Voilà. Donc on va voir après le passage de la peinture, comment ça va se dérouler. Là, le plafond est délié sale, donc c'est juste pour ajouter un petit peu de fraîcheur à tout ça. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ok, alors tu vois, je suis en train de fermer la champie là. Comme tu peux voir, ça fait gris là, tu vois. Et pourtant, c'est de la peinture blanche. Tu vois, la peinture blanche de chez Action, mes amis. J'ai fait la pièce qui est de l'autre côté là-bas. J'ai fait donc les réchampis, j'ai fait la peinture. Et franchement, ça ressortait marron. J'ai dit, punaise, c'est pas possible, c'est pas du blanc. Donc en fait, l'avantage, et on a été agréablement surpris avec cette peinture, quand tu la passes, elle est couleur foncée et en séchant, elle devient toute blanche. Franchement, pour le prix, eh ben, c'est le top. Le top, le top, parce que finalement, tu vois l'endroit où tu passes. Tu vois, là j'ai fait un gris mouillé là. Tu vois, tous les endroits où je suis passé, tu vois, ça fait tout gris. Et après, en séchant, crac, ça va venir faire la peinture blanche. Si jamais tu dois prendre la peinture de chez Action, ne sois pas surpris quand ça te fait ça. C'est pas ton mur, c'est pas ta peinture, c'est normal. Du coup, au moins, tu vois l'endroit où tu passes et quand ça sèche, ça va devenir tout blanc. D'ailleurs, tiens, regarde, je te montre. Tu vois ici, on a passé. Ce mur-là, tu vois, il n'est pas traité encore. Donc, tu vois, en bas, comment ça fait. Mais après, en séchant, tu vois plus rien. Nickel, au top. Donc là, il faut plus que ce mur à peine, et puis voilà, au moins ça sera tout uniforme. Là, le plafond, nickel quoi. Ah, regarde, là, tu vois, j'ai fait le plafond. Alors, tu vois quand même les coups de rouleau là, mais tu vois, c'est pas sec parce que c'est encore tout gris. Tu vois le plafond comme il fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer ce pan de mur. Je vais définir celui-là et ça va se dissimuler tout doucement en séchant. Donc, tu vois, on dirait que j'ai fait vraiment le plafond et les angles tout gris, mais ça va devenir tout blanc. Allez, c'est parti.
Ainsi s'achève cette petite vidéo, les amis. Voilà, bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra pour vous décider au niveau de la peinture. Il n'y a pas de souci, action. C'est finalement une très bonne peinture. Tu vois, là, moi, pour le coup, c'est une maison de location et j'avais besoin de rafraîchir un petit peu les murs. Ça va faire le job, il n'y a pas de souci. Donc, comme tu peux voir derrière moi, c'est en train de sécher. Tu vois, ça fait des petites marques. Mais regarde, je te prends avec moi, je vais te montrer de l'autre côté. Tu vois, là, ça a vraiment séché. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment tout blanc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bon, alors surtout, bah, t'hésites pas. Tu mets un pouce bleu. Donc, ça me permet de motiver pour poster du contenu de qualité. N'hésite pas aussi à partager sur les réseaux sociaux. Ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner. Tu cliques également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, bah, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Et tu me dis si tu as déjà testé les peintures de chez Action. Et puis, moi, bah, du coup, je te la recommande. Il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment le taf. Alors, tu vois, ça fait un petit blanc cassé qui est vraiment sympathique à regarder. Voilà. Allez, bah écoute, je te fais la grosse bise, passe une très bonne journée et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Yeah!